Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on continue l'aménagement avec la fabrication de ce meuble de télévision. Bien, pour la fabrication de ce meuble de télévision, j'ai fait une première vidéo avec la fabrication de tous ces plateaux. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mettrai le lien là-haut et dans la description juste en dessous. Ensuite, là maintenant, on va continuer à déligner, à rectifier ces plateaux pour avoir quelque chose de bien propre. Et on fera tous les assemblages avec la lamelleuse. Pareil, j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de cette lamelleuse. Si vous l'avez ratée, je vous mettrai les liens dans la description juste en dessous et là-haut. Donc nous ici, on va rectifier tous ces plateaux pour avoir quelque chose de propre, enlever les colles, tout ça. On fait ça et on se retrouve après pour l'assemblage. Bien, bon, comme vous pouvez voir, le montage à blanc est terminé. Vous voyez, j'ai mesuré que deux fois.
J'évite les mesures parce que c'est là où je fais pas mal d'erreurs. Pour le bord, je vous réexplique, hein, vous verrez dans l'autre vidéo, mais quand je viens ici, je viens me mettre à fleur, et avec la lamelleuse, là je mets un bout de scotch, je mets un bout de scotch, c'est mes surfaces de référence. Quand on vient ici, comme ceci, et si on usine avec la semelle là et la semelle contre ici, donc toujours la même surface de référence, qui est celle-ci, bah là, une fois que je suis là, et après je me mets dans ce sens-là, bah, il ne peut pas y avoir d'erreur. Là, j'ai aucune erreur de désaffleurement ici comme ici. Hein. Je vous ferai voir de plus près quand ça sera collé, mais je n'ai pas d'erreur de désaffleurement parce que je garde toujours mes surfaces de référence. Pareil, ici, j'ai pris qu'une mesure. Vous avez vu, je règle ma pige ici, je règle ma profondeur, j'ai réglé avec mon niveau. Hop, je viens usiner de deux côtés et j'ai toujours les mêmes surfaces de référence qui sont ici au-dessus et celle-ci. Je fais attention. Et comme ça, vous voyez, tout est vraiment nickel. J'ai vraiment la même mesure de chaque côté. Donc là, pour moi, ça va être la partie la plus stressante, le collage. Mais on colle ça ensemble et on se retrouve juste après. Thank you.
Bien, bon, ça y est, la structure du meuble, elle est assemblée. Là, c'est en train de sécher pour le dernier collage. Toujours stressant le collage, hein. J'aime pas trop parce que, hop, je regarde, j'espère que je me suis pas trompé. Et en effet, je me suis pas trompé de sens pour les planches. J'ai toujours le cœur de larme, c'est les dessins, c'est. Mais prendre beaucoup de précautions. Donc, vous avez vu l'assemblage au lamello. Je fais beaucoup de repères, beaucoup de cales, j'utilise beaucoup de cales, j'utilise de moins en moins de mesures. Ça me permet d'avoir moins d'erreurs possibles. Souvent, quand je mesure, ben, je me gourre de côté ou quoi, et puis voilà, c'est plus en face. Donc là, je réagis comme si c'était assemblé, je viens usiner de chaque côté, et là, je suis vraiment à la bonne cote. Bien, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous me retrouverez dans une prochaine vidéo sur la fabrication des portes, le montage des portes et la finition du meuble. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, enfin vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.